retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la review de la housse de transport pour M249 que j'ai récemment commandée chez Gunfire. Sur leur site, elle coûte environ une soixantaine d'euros que moi j'ai pu me procurer pour une trentaine d'euros grâce à des réductions qu'il y avait à ce moment-là. Donc ça valait vraiment le coup. Plusieurs coloris sont disponibles pour cette housse, vert olive comme celle-ci. Il y a le noir, le tan, différents camos comme le multicam qui est disponible également. La housse sur le devant est composée de 5 lignes de type passe-en-molle qui va vous permettre de fixer différentes poches pour le transport de vos accessoires, de vos chargeurs, etc. Sur les côtés à droite et à gauche, on a deux petites poches comme celle-ci avec un petit filet sur le devant et ensuite le reste de la poche qui s'ouvre et qui se ferme avec une fermeture. Derrière, on y retrouve un côté lisse, ça va être le côté qui va frotter contre vos hanches. Sur le dessus, on y retrouve une poignée de transport, donc pour la porter à main, avec un fermoir à scratch et deux passants. On a ensuite une lanière pour permettre de transporter la housse sur vos épaules avec à son centre un bout de mousse pour éviter que ça fasse trop mal. Elle est réglable de chaque côté et on a également de chaque côté un petit crochet, donc ça va permettre de mettre la sangle où vous voulez, donc soit des deux côtés pour avoir un meilleur équilibrage, soit grâce aux deux petits anneaux qui restent de chaque côté, mettre soit d'un côté ou de l'autre. Ensuite, sur le dessus, on y retrouve trois clips, un de chaque côté et un au centre, réglable. Ça va permettre de bien maintenir la housse fermée. Ça évitera, si elle est trop chargée, de forcer sur les coutures et risque de déchirement, etc. Donc voilà, un bon petit point. On a ensuite, pour l'ouverture de la housse, quatre petites fermetures de chaque côté. Ainsi, ici une petite tirette avec un bout de velcro pour fermer le tout. On ouvre les deux rabats, donc en mousse, donc toujours pour protéger la réplique. Et à l'intérieur, voilà comme c'est fait. On y retrouve quatre petits sangles en velcro, donc comme l'éclipse sur le dessus, qui va permettre tout simplement de bien maintenir vos répliques à l'intérieur. On y retrouve aussi deux blocs de mousse, donc avec un côté où il y a un trou et un autre côté où il y a deux trous. Donc ça, en deux fois. Ça va vous permettre, si vous mettez le trou seul vers le haut de chaque côté, de transporter votre M249. Donc c'est une housse pour M249 à la base, donc ça va aller parfaitement bien, c'est fait pour. Si vous mettez les deux trous vers le haut, vous allez pouvoir mettre deux répliques de type assaut M4, etc. Pas de M249, bien évidemment. Donc, vous pouvez mettre deux répliques, voire même une troisième si vous la mettez sur le bas, à l'envers, donc la poignée vers le haut, et là, vous allez pouvoir transporter trois répliques de type M4. Donc ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal, surtout pour le transport de plusieurs répliques. Au moins, vous avez une housse pour trois répliques, donc ça c'est vraiment vraiment bien. Les fameuses petites sangles sont réglables, donc vous pouvez les mettre soit en haut soit en bas, donc il y a deux bandes de velcro de chaque côté, donc voilà, tout ça va permettre de faire un seul bloc avec vos répliques et la housse. Donc bien évidemment sur les côtés on a de la mousse, le reste c'est du tissu mais rembourré de mousse à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment nickel pour le transport de vos répliques ou de votre M249. Donc, c'est une housse qui coûte environ 60 euros. Donc, à la base pour M249, mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre plusieurs répliques. Donc ça, c'est vraiment bien. Sachant que ce type d'accessoire, c'est indispensable pour le transport de vos répliques. Comme vous en doutez, c'est interdit de se transporter une réplique sans housse dans la rue, etc. Donc voilà, c'est un peu un élément obligatoire. Donc voilà,
Moi, je vous la recommande vraiment à 100%. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette housse-là. Elle est vraiment bien. Vous avez une M249, voilà, c'est nickel pour vous. Vous avez trois répliques, vous n'avez pas de housse, vous voulez tous les transporter en même temps, et bien ça va également. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette housse-là, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire, je vous y répondrai comme d'habitude. Allez faire un tour sur ma page Facebook, partagez cette vidéo-là, aimez-la, commentez-la, et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!